Je suis à compléter mon retour au 17e siècle. Je suis Thérèse Morin au 21e siècle et j'ai mis sur pied à la rencontre des filles du roi pour parler de ces femmes si importantes dans notre histoire et qu'on passe sous silence. Sans elles, on ne serait pas là. Me voici, Marie-Anne de la Porte, arrivée en 1665. J'aime bien parler de ma vie en tant que sage-femme, sage-femme jurée, concierge de prison, geôlière et surtout mère de 9 enfants. 9 enfants, c'est la moyenne d'enfants par fille du roi. C'est quelques 762 filles à marier qui sont venues en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. J'aime bien parler des raisons pour lesquelles on est venu en Nouvelle-France, parler de la traversée qu'on considérait comme étant plus dangereuse qu'aller à la guerre, et parler de nos conditions de vie, en particulier des femmes qui ont eu de si nombreuses grossesses et accouchements. On nous considère comme étant les mères de la nation québécoise.